La cocotte. On fait un petit travail de longe, vraiment pour très décontracté, juste pour faire un peu de gymnastique. Oui, je pense, mais on fait régulièrement avec les nôtres, même avec les très jeunes. La Fifi. Tous mes chevaux, et elle aussi bien sûr, ils sont mis en longe par des spécialistes de la volte. Hein. C'est quelque chose de difficile à faire, non pas à exécuter, mais à apprendre à un cheval. Les avoir relax et détendus, comme vous avez certainement vu, c'est sûr que c'est un grand avantage quand vous voyagez avec des chevaux, parce que ça vous permet de faire un exercice de détente que l'extérieur ne vous permet pas toujours quand les chevaux sont distraits, inquiets ou dérangés par la nouveauté. Et en plus, ça nous permet de les voir dans le détail, dans le mouvement, très décontracté, très, très souple, ou alors un petit problème à gauche, à droite, une asymétrie entre les deux mains. C'est un très beau poste d'observation. À la piste, hop. On va gentiment, on évite la cohue, on évite de la mettre sur le gaz parce que il y en a qu'il faut mettre sous condition et d'autres qu'il faut mettre en décondition. Alors elle, c'est plutôt le deuxième cas. Elle me plaît bien. Moralement, tout se passe bien. On n'a aucun problème physique avec pour le moment. Elle est très bien rentrée de sa dernière course. Donc, c'est pas mal. Une fois qu'on analyse ça, finalement, elle s'est trouvée dans les mauvais coups. Très maniable. Elle a plu à Pierre. Il aurait fallu prendre une autre option au 1000. C'est les courses, ça y était pas. Et après, le wagon de 3 qui était le bon était plein. Et refini avec des ressources. Elle se renfile entre deux sulkis où il n'y a pas la place pour passer. Finalement, bien. Tenant compte que c'est un préparatoire, elle n'a surtout pas pris dur. Elle a pris plein de morale. Je pense que pour une femelle de 9 ans, c'est pas plus mal. C'est vrai qu'elle passe pour une jument spécialiste des parcours de vitesse. Mais malgré tout, dans le prix du Bourbonnais, elle a montré qu'elle avait la tenue. Hein. Ouais, même dans le Belgique, hein, si on tient compte de ce qu'elle fait en ne pouvant pas avancer d'où elle vient, elle aurait tenu compagnie à Davidson, qui est troisième. Je ne dis pas que ça aurait fait mieux, mais ça aurait pas fait plus mal, quoi. Donc, non, peut-être qu'elle va nous montrer qu'avec l'âge, la distance, c'est peut-être quelque chose qu'elle maîtrise. C'est pas l'aptitude, hein, encore une fois. Hein, quand elle gagne le beau prix d'Anjoumen, elle bat Bird Parker et Valcogenila sur 3000 mètres, qui sont tous sauf des chevaux qui n'ont pas de tenue. Et elle les fusille pour finir, mais piste plate. Voilà, allez. Bien, ma belle. Très proche de votre jument, vous la connaissez jusque sur le bout des sabots, vous la connaissez par cœur, vous vivez quasi 24-24 avec elle. Mmh. Pour à vous, piste. À quelques jours du grand rendez-vous, est-ce que tout est parfait? Aujourd'hui, si je devais signer pour qu'elle soit comme on est aujourd'hui, pas de problème, je signe dès demain. On avance la course d'une semaine. Ah, ça fait partie des règles du jeu, mais je vois pas... Ce qui me fait le plus peur, on est sur un centre d'entraînement où il y a beaucoup de chevaux, où il y a beaucoup de brassage, où certains chevaux ne sont pas en excellente santé et on n'est pas tributaire de quelque chose. Aujourd'hui, c'est la seule chose qui de temps en temps me réveille la nuit. Pour le reste, je dors bien. Vous faites attention à tout, vous regardez la météo, quand vous voyez des écarts de température comme on va avoir hein, quelques jours avant le prix d'Amérique, avec des températures assez douces, et puis d'un seul coup, deux jours plus tard, les températures négatives le matin. C'est vrai que vous y connaissez bien hein, en termes d'organisme équin, même pour les humains, ça peut changer de tout au tout. Hein. Non, c'est un vrai boulot de tout le temps. C'est le festival des couvertures, des fermetures, des ouvertures de postes, de portes. C'est les décalages dans le timing. Heureusement,
en étant un petit artisan, on n'a pas débordé de chevaux et on n'est pas tous les jours aux courses. Un jour comme aujourd'hui, on a décalé entièrement notre travail par rapport à la météo. C'était un temps exécrable jusqu'à 10h30, 11h moins le quart. Et maintenant, on est dans ces conditions-là où ce serait vraiment dommage d'avoir sorti des chevaux le matin et de les avoir mis dans les box cet après-midi. Il faut bien quand même que nous, les petits, on ait quelques avantages sur les gros. Donc on a celui-là là et on en profite, quoi. On adapte au fur et à mesure et on vit au rythme de la jument. Ça dépend un peu du programme de travail pour si des fois il y a un jour pour la décontracter un peu, pour faire un peu de gymnastique. Ouais, ça dépend, c'est des fois une fois par mois, des fois toutes les semaines. Puis ça fait du plaisir dans un manège extra, vraiment très beau comme ça. Mais en général, c'est mieux quand c'est un peu calme et quand il y a une paroi ou deux pour les cadrer un peu. Mais elle, comme elle a l'habitude, ça va très bien même à l'extérieur. Ça les change un peu et comme justement ça fait de la gymnastique, c'est bien pour le dos, ils sont bien ronds et voilà. On refait un tour. Allez ma belle, à la piste. À la piste. En principe, on essaye de laisser les chevaux dans un rythme et dans un programme où on différencie beaucoup la récupération, de l'endurance, de l'explosivité ou de la résistance. C'est vrai qu'on a quand même la possibilité d'utiliser un certain nombre de moyens techniques qui dérivent de la connaissance humaine de la physiologie de l'effort, qui n'est pas toujours connue ou qui n'est pas toujours distribuée à tous les entraîneurs de chevaux, malheureusement. Mais également, à l'inverse, ne pas tomber dans un systématique scientifique et ordonné, c'est toujours le feeling qui prime. Par contre, tout ce qu'on peut mettre autour du cheval nous permet de comprendre ce que l'on a fait beaucoup plus que de nous dire ce qu'on doit faire. C'est toujours les chevaux qui font les hommes, c'est toujours à nous de suivre les chevaux et c'est à nous d'avoir les meilleurs moyens pour le faire. Vous en avez suivi des champions qui sont allés concourir justement le jour du Prix d'Amérique. Certains ont même remporté cette épreuve mythique. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette course ? D'abord, quand vous parlez de cela, des très bons souvenirs. J'ai eu la chance d'accompagner 9 vainqueurs de Prix d'Amérique, dont un certain nombre ont couru également dans l'âge de leur 10e année. C'est des souvenirs qui vous laissent des marques profondes. C'est une course mythique. Il y en a 3 au monde, comme je dis toujours. Le Prix d'Am, l'élite et l'international trot. Tomber à mon âge sur une jument qui vous emmène visiter ces 3-là, ça fait quelque chose. C'est bon, hein ? Ouais, c'est beau. C'est la victoire. Réellement, René, vous y croyez ou pas ? Je ne l'exclus pas. Voilà. Et les places, c'est bien. On fait mieux qu'y croire. C'est bien. Et vraiment, je pense que si elle doit se distinguer dans cette épreuve, dans son comportement et dans son harmonie entre son physique et son moral, ce sera cette année.